Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission spéciale consacrée aux sportifs finistériens et plus particulièrement aux sportifs finistériens en préparation pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Rio 2016. Une émission réalisée en partenariat avec le Conseil départemental du Finistère, le Comité départemental olympique et sportif du Finistère et la Direction départementale de la cohésion sociale. Au programme, des reportages, des interventions en plateau, entre autres avec des sportifs présents, mais avant cela, on va débuter avec Jean-Marc Tanguy du Conseil départemental du Finistère et Yvon Cléguer, président du CDOS du Finistère. Bonsoir à vous, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors Jean-Marc Tanguy, bonjour, vous êtes vice-président du Pays de Cornouailles, délégué au sport. Pourquoi le département soutient ses sportifs finistériens ? Mais c'est pour nous comme une évidence de soutenir ces athlètes, ces présélectionnés, parce que ce sont les valeurs de l'olympisme. Et les valeurs de l'olympisme, pour nous, c'est l'excellence, c'est le respect et c'est l'amitié. Et je crois fondamentalement que les valeurs olympiques, c'est les clubs, et qui, en même temps, à travers les pratiques sportives, vont jusqu'au plus haut de leurs possibilités. Et finalement, pour un sportif, qu'est-ce qu'il y a de plus important et de plus beau que les Jeux Olympiques ? Je pourrais même faire une sorte de métaphore en disant que pour un politique, c'est comme l'élection présidentielle, en quelque sorte. C'est bien vu, ça. Les moyens d'aide, oui, vous pouvez applaudir, il n'y a pas de souci. Les moyens d'aide mis en place, ils sont nombreux ? Oui, ils sont nombreux. Et c'est d'abord, et peut-être commencer par remercier le comité départemental olympique sportif à travers son président Yvon Cléguer, parce que c'est un travail au quotidien d'accompagnement des comités départementaux, d'accompagnement des sportifs, et puis sur l'organisation de cet événement en particulier. Et puis le conseil départemental accompagne financièrement chaque présélectionné. Et vous savez que les temps sont durs pour les collectivités, donc c'est pas anodin, c'est un choix politique d'accompagner financièrement chaque sportif qui se prépare pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques de Rio. Et puis, c'est aussi communiquer le plus possible autour de ces athlètes qui sont jeunes, pour la plupart d'entre eux, 27 ans de moyenne d'âge, pour les 11 présélectionnés. Et pour nous, c'est important de valoriser leur parcours. Et communiquer sur le département. Exactement. C'est aussi, évidemment, un vecteur d'attractivité, parce que c'est le dynamisme du sport dans le département. Le sport dans le département, en quelques chiffres, c'est quelque chose comme 2400 clubs, plus de 240 000 licenciés, me semble-t-il. Donc, c'est une force, un tissu associatif extrêmement riche dans le département, et puis qui permet donc à ces athlètes de pouvoir rayonner au plus haut niveau international, parce que c'est l'événement sportif et médiatique sans doute le plus important au monde. Yvon Cléguer, quelles sont les missions du CDOS au sein de cette opération Finistère Olympique 2016 ? Eh ben, dans cette organisation où il y a un trio d'organisateurs, le comité olympique est chargé de mettre cette dynamique-là au sein du mouvement sportif qui représente les 73 disciplines sportives qui sont regroupées au sein de notre association. Et en fait, comme disait Jean-Marc, ça regroupe aussi 2400 clubs, 240 000 licenciés, des milliers de bénévoles qui se retrouvent dans cette opération justement pour ensemble soutenir nos sportifs. Parce que c'est toutes les disciplines sportives qui se disent, ce sont nos représentants, donc on les soutient. Donc à nous, charge à nous de mettre cette dynamique en route par divers procédés. Justement, ces jeunes sportifs, comment ils rentrent dans le dispositif ? Alors c'est très simple, il faut être finistérien déjà. C'est le cas, licencié dans un club finistérien. Être présélectionné par sa fédération, donc on a fait un petit travail de recherche auprès des fédérations. Donc eux, ils sont chargés d'aller faire des compétitions et des championnats de haut niveau aux quatre coins du monde pour chercher cette sélection tant espérée pour ce championnat qui est le plus beau championnat, Jean-Marc l'a dit, et justement le rêve de tout athlète qui fait beaucoup de sacrifices et beaucoup d'efforts pour y participer. Donc le rêve, ils sont sur le chemin, donc on souhaite les accompagner. Ça a pour but de créer une cohésion d'équipe aussi avec ces sportifs qui ne se voient pas forcément souvent. Ah, c'est compliqué, mais peut-être que le lien, c'est ce trio là d'organisateurs, puisque dans le département, on a cette chance de pouvoir collaborer dans la même direction, sur le même objectif, qui ce coup-là est la participation aux Jeux Olympiques. Donc, on fait en sorte qu'ils se retrouvent, mais s'ils ne s'y retrouvent pas physiquement ensemble, ils vont se retrouver au sein du CDOS, au sein de différentes manifestations. Et quand ils vont se retrouver aux Jeux à Rio, ce qu'on souhaite tous, au moins, ils vont se reconnaître. Ils vont se reconnaître, bien sûr, par la tenue, forcément, mais ils vont se reconnaître physiquement en disant, bah, tiens, oui, on a participé ensemble à cette soirée, à cette aventure, à cette opération de dynamique finistérienne.
et le Finistère très dynamique en termes d'activité sportive. Oui, c'est une chance. J'ai cet honneur de présider le comité olympique et c'est vrai que c'est tellement une chance pour nous d'avoir un département comme ça, le plus éloigné de tous les centres de décision. On a la chance d'avoir un dynamisme hors pair. Et je crois d'ailleurs qu'il y a forcément d'autres départements qui font ce type d'opération de soutien des athlètes. Mais je crois savoir, il me semble qu'on est le seul département breton à l'organiser, et de même que la région Bretagne ne le fait pas non plus. Donc c'est peut-être quand même une petite fierté de soutenir nos athlètes finistériens. Mais pour une raison simple, c'est que tout commence en Finistère, comme on dit au conseil départemental. Et ben voilà, tout commence en Finistère, effectivement. Les prochains Jeux Olympiques se dérouleront à Rio du 5 au 21 août 2016, puis du 7 au 18 septembre pour les Jeux Paralympiques. C'est le premier événement sportif et médiatique de notre planète, comme on le disait. Les Jeux représentent l'échéance suprême pour tous les athlètes de haut niveau. Et poursuivant cet objectif, 11 sportifs finistériens enchaînent les compétitions aux quatre coins du monde afin d'obtenir leur sélection pour participer à ce grand rendez-vous international. Et on découvre tout de suite leur portrait en images. Léa a démarré le kayak loisir à l'âge de 10 ans au club nautique de Plébin. À 23 ans, elle a déjà joué 16 finales internationales. Ses objectifs pour 2016, la qualification et une performance aux Jeux Olympiques de Rio en kayak de course en ligne. C'est à 9 ans que Loïc découvre le canoë. En 2015, il termine 3e des championnats de France et est sélectionné en équipe de France senior. En 2015, il aspire à la sélection pour Rio en canoë biplace slalom. En 2004, à l'âge de 8 ans, Paul débute le canoë-kayak au club des Alligators à Landerneau. En 2015, il termine 6e au classement général de la Coupe de France. Son objectif pour les JO 2016, la sélection en slalom monoplace. Aude débute le cyclisme en club à l'âge de 7 ans. En 2015, elle termine 5e du championnat du monde sur route, championne de France de poursuite par équipe et vice-championne de France du contre-la-montre. En 2007, elle souhaite une sélection JO de Rio en cyclisme sur route. Virginie pratique le cyclisme depuis 12 ans au club Big 2000 et a commencé la piste en 2001. En 2015, elle est 6e au 500 mètres, 2e du Kera en championnat d'Europe. Son objectif, intégrer l'équipe pour qualifier la France au JO 2016. Camille a débuté la voile en optimisme au Havre à 7 ans, puis a commencé les compétition vers 10 ans. En 2015, elle est 3e au championnat du monde, 2e au championnat d'Europe. En 2016, elle rêve d'une médaille d'or au JO de Rio en 4,70. Dès le plus jeune âge, Maëlène navigue avec sa famille à l'Okirek. Elle débute en optimisme à 6 ans. En 2014, elle est championne du monde jeune de 4,70. Son ambition pour 2016, une qualification à Rio en 4,70. C'est à l'âge de 7 ans qu'Aloïse tire ses premiers bords en rade de Brest, en suivant l'exemple de ses deux sœurs. En 2015, elle arrive 10e au championnat d'Europe senior 4,70. En 2016, elle brigue une sélection aux Jeux Olympiques en 4,70. À 7 ans, Amélie a découvert la voile sur un optimiste. Puis à 14 ans, elle choisit le laser radial série olympique en solitaire féminin. Son palmarès 2015, une 15e place au championnat d'Europe. Son objectif pour 2016, la qualification pour les JO de Rio 2016 en laser radial. Pour Marie, la voile, c'est d'abord une histoire de famille. Elle débute en optimiste à 7 ans. À 14 ans, elle est membre de l'équipe de France. En 2015, elle obtient le titre de championne du monde de Nacra 17. En 2016, elle espère la sélection pour les JO en Nacra 17. À 13 ans, Bruno est déjà champion de France sur optimiste. Il cumule un nombre impressionnant de podiums. En 2015, il termine premier de la semaine olympique d'hier sur sonar. En 2016, il convoite une médaille d'or aux Jeux paralympiques de Rio sur sonar. Cette année, pour chacun d'entre eux, tous les rêves sont permis. De retour sur le plateau en compagnie de Loïc Kervelin, Denis Lemeunier et Léa Jamelot. Bonjour à vous trois, bonjour Léa. Bonsoir. Léa, ta discipline de prédilection, pardon, toi c'est le canoë-kayak que tu pratiques, il me semble, depuis tes 10 ans. Tu es licenciée au club de Quimper. Ce dispositif, tu le connais, tu y étais déjà pour les JO de Londres 2012. Tu peux nous en parler, ça t'a aidé en quoi ? Alors concrètement, en fait, le soutien financier pour nous, on est un sport non professionnel, donc c'est sûr que c'est très important. Mais le fait d'être soutenu par son département, c'est vraiment surtout ça que je retiens et ça fait chaud au cœur et ça donne une motivation supplémentaire. Faire partie de ce dispositif, c'est une chance ? Oui, bien sûr, oui. Comme le disait tout à l'heure, de se retrouver entre Finistériens, de fonder une équipe, vraiment qui a des valeurs communes et des objectifs communs, c'est très important. Donc oui, oui bien sûr, oui. Alors, il y a une enveloppe financière qui est dédiée, une enveloppe de 2500 euros. Tu l'as utilisée comment en 2012 ? Matériel, préparation physique, c'était quoi ? J'ai engagé une préparation mentale, en fait. Donc, ça m'a vraiment servi à financer ça. C'était important pour moi.
Bon, préparation pour tout le monde dès à présent. Toi, tu en es où aujourd'hui de ta préparation physique ? Alors, avec les filles, donc en K4 au championnat du monde cet été, on a décroché un quota olympique. Donc, ça veut dire qu'il y aura au moins 5 filles aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro. Et maintenant, l'objectif pour moi, je me prépare pour les sélections équipe de France parce que si on a décroché les quotas, ils ne sont pas nominatifs. Donc, il va me falloir regagner ma place lors des sélections la première semaine de mai. C'est à Mantes. C'est pas ça ? À Mantes la Jolie, oui, c'est bien ça, dans les Yvelines. Ouais. Ouais. Combien d'heures d'entraînement par semaine ? Alors, en fait, le mois se découpe. On a 3 grosses semaines entre 17 et 20 heures d'entraînement, donc 3 entraînements par jour. Et puis après, une semaine plus mitigée de récup, on dit, et donc plus 10 heures. Eh bien, félicitations. On l'a vu il y a quelques minutes en image, des sportifs tous différents en termes d'âge, en termes de discipline et des retours d'expérience possibles grâce aux rencontres avec les sportifs ayant déjà participé aux JO. Denis, ben c'est ton cas. 3 sélections aux JO, Athènes 2004, Pékin 2008, Londres 2012, des récompenses plein. Tu pratiques donc la course en fauteuil sur route. Retour d'expérience, tu les as vécues comment, tes 3 expériences au JO ? Ça a été un peu différent à chaque fois. Athènes, ça a été dur. L'athlé, c'est toujours un peu spécial parce qu'il faut courir après les minima pour se sélectionner. Donc pour les meilleurs, c'est assez simple parfois, mais c'est pour la plupart, c'est compliqué et c'est une longue épreuve déjà. Donc à Athènes, ça s'est fait un petit peu sur le tard. J'arrivais à un bon niveau, mais pas à un super niveau. Donc ça a été des jeux un peu particuliers, un peu une découverte. Et j'étais engagé que sur 10 000 mètres et marathon, donc des courses en plus techniques. Un marathon qui était super dur là-bas, donc ça a été un peu compliqué. Et puis par contre, Pékin, ça a été vraiment le top. Donc je savais à quoi m'attendre. Et là, du coup, je me suis préparé en conséquence parce que pour ceux qui n'ont jamais fait de jeu, c'est vraiment, même si on a fait les championnats du monde avant ou toutes sortes d'épreuves de niveau mondial, c'est la marche au-dessus, quoi. Et tous les concurrents directs sont toujours un ton au-dessus physiquement, donc c'est une ambiance particulière. C'est grandiose, c'est un village, c'est même pas un village, c'est une grande ville de 18 000 personnes, donc tout est démesuré, donc il faut faire attention à ça. Donc Pékin, bah, c'était le top du top. Ils avaient voulu montrer qu'ils étaient les meilleurs au monde. Donc, c'était des installations énormes qu'on ne reverra, je pense, plus maintenant, d'ici peut-être très longtemps ou même pas du tout. Donc, ça a été un grand moment. En plus, j'ai fait un podium. Donc, c'était vraiment très, très particulier. Des jeux très t'en parlerais pendant des heures, en fait. Hein. Oui. Mais nous, malheureusement, on n'a pas tant que ça d'heures. Non, mais Et donc, j'ai terminé par Londres, où Londres, c'était super sympa, parce que la Grande-Bretagne, ils ont presque inventé, disons, pas mal de sports. Donc là, c'était du public à fond, très connaisseur. Donc ça, c'était bien. Ouais. Loïc, on va à nouveau parler canoë-kayak avec toi. Tu as un titre tout frais, c'est quoi, que tu viens de remporter ? Donc du coup c'était en septembre là, le titre de champion du monde par équipe donc de slalom. Remporter un titre, on peut l'applaudir quand même, ça le mérite. Hein. Remporter un titre comme ça en se préparant pour les JO, c'est important, ça aide. Bah bien sûr, c'est important de voilà, montrer à une année des Jeux qu'on est dans la course pour cette sélection olympique et pour voilà, pourquoi pas un podium olympique. Donc voilà, montrer qu'on est présent. Ouais. Merci en tout cas, merci Loïc, merci à vous. Tous nos sportifs en préparation n'ont pas pu être là aujourd'hui parmi nous, mais découvrons tout de même en image le portrait de Marie Rioux. Après avoir tiré ses premiers bords en rade de Brest, c'est en 1999 que Marie Rioux débarque avec fracas sur la scène internationale. À seulement 18 ans, elle décroche les titres de championne d'Europe et de championne du monde en 420. S'ensuit un long parcours en équipe de France de match racing jusqu'aux Jeux de Londres en 2012, où elle termine à une belle 6e place. L'année suivante, changement de cap, Marie Rioux s'associe à Billy Besson en Accra 17, nouvelle série désignée pour les Jeux de Rio en 2016. Un choix payant puisqu'ils sont aujourd'hui les leaders incontestés de la série sur le plan mondial.
Déjà titré en 2013 et 2014, le duo a récidivé cette année avec un troisième titre consécutif de champion du monde au Danemark. À 34 ans, la Brestoise sait qu'elle disputera certainement ses derniers Jeux à Rio dans un peu moins d'un an. L'occasion est donc trop belle d'y briller. De retour sur le plateau, nous ont rejoint Maëlène Lemaître, Paul Houlen et François Hamon. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Maëlène, on va parler voile avec toi, puisque tu es licenciée à l'école de voile de l'Okirec. Tu navigues depuis toute petite, il me semble. Hein, l'aventure, elle a débuté en famille. Exactement, oui. La première fois que je suis montée sur un bateau, ça devait être avec mon papy pour aller à la pêche. Il y avait un bateau à moteur, mais il tombait souvent en panne, du coup, ça se finissait à la voile. Et du coup, j'ai commencé comme ça. Et c'est pour ça qu'il a fondé l'école de voile, d'ailleurs, non ? Exactement. Et ma grande sœur a commencé la compétition. Elle a 4 ans de plus que moi. Et du coup, je l'ai suivie sur ses régates, un peu partout. Et j'ai vite eu envie de partir sur l'eau avec elle. Et du coup, 4 ans après, j'ai suivi et ça a commencé. Aujourd'hui, c'est objectif JO de Rio, un rêve ? Oui, évidemment, le rêve, il a commencé depuis que je suis en sport-études, donc depuis le lycée. Et tout athlète, je pense, en support olympique, rêve des Jeux. Donc moi, oui, c'est un rêve depuis plusieurs années maintenant. Le fait d'avoir toute ta famille derrière qui pousse, qui motive, c'est important, c'est intéressant pour toi, c'est une aide ? Oui, évidemment, oui. Surtout que c'est un sport financièrement... compliqué, et du coup, si la famille ne suit pas, c'est vraiment dur. Ensuite, on s'investit beaucoup, mais ça, c'est dans tous les sports. Et il faut que la famille comprenne qu'on ne peut pas toujours être là au repas de famille, et du coup, c'est évident. Leur soutien, c'est indispensable, vraiment. Alors, au niveau sportif, au niveau d'études, comment tu conjugues les deux ? Alors, j'ai la chance de. Donc, dès le lycée, j'étais en sport-études, donc j'avais des horaires aménagés. Et après, je suis partie en école d'ingénieur à Rennes, où à l'INSA, où on est nombreux à être sportifs de haut niveau. Ils nous aménagent nos années. Au lieu de faire en 5 ans, je fais en 7 ans. Je prends mon temps, mais, mais voilà, c'est ce qu'on on peut faire les deux. Paul, toi, tu es le Benjamin de l'équipe, si on peut dire. Ta discipline, c'est le canoë-kayak, en slalom, le K1, monoplace, que tu pratiques aux Alligators de Landerneau. Tu as commencé très tôt aussi, je crois que tu as démarré à l'âge de 8 ans. Oui, je suis arrivé un peu par hasard là-bas. J'ai déménagé en fait à ce moment-là et le club était juste en face de chez moi. Donc je me suis dit un mercredi, pourquoi pas aller voir ce qui s'y passe et ça a plutôt accroché quoi, par la suite. Bon, palmarès incroyable avec une forte progression depuis quelques mois, depuis quelques saisons. Ça va continuer tout ça ? Tu en penses quoi ? Bah ouais, je suis plutôt confiant, donc c'est vrai qu'au fur et à mesure que les saisons passent et que les courses passent, j'arrive à produire de bonnes prestations et à me hisser dans des top 5 par exemple, pouvoir faire des podiums, donc c'est plutôt encourageant. Et puis avec le travail que je fournis avec mes entraîneurs tous les jours, ça ne peut qu'encourager à continuer et à progresser. Ouais. Il y a de la pression avant les événements, comment tu gères toi ces situations de stress, de pression ? Ouais, j'essaie de rester assez calme, de me dire qu'il faut faire seulement ce qu'on sait faire et que si on a un projet qui est bien ficelé de A à Z, il n'y a pas de problème normalement et que voilà, il faut juste savoir faire ce qu'on sait faire et pas s'emballer. Quoi. Ce que tu sais faire, toi, c'est quoi ? C'est gagner, c'est ça ? Ouais, ça m'arrive, je sais gagner de temps en temps, ouais. Une autre époque, un autre sportif, François Hamon. François, quand on regarde votre palmarès, eh bien, c'est des victoires locales, nationales, internationales qui s'échelonnent de 57 à 77. Certes, il y a eu une troisième place le 25 juillet 67 au Critérium de Guerlesquin chez vous, mais il y a eu un Tour de France en 64 et il y a eu les JO de Rome en 1960. Ça se passait comment à cette époque-là ? Il y avait déjà des dispositifs comme celui-ci ? Non, c'est complètement différent, quoi. Comme on dit, là, en ce moment-là, c'était encore artisanal. Mais là, j'étais au service militaire, au bataillon de Joinville. Donc à Rome, j'ai fait les 100 km contre la montre. C'est la première fois qu'ils faisaient, même je ne crois pas qu'ils font depuis non plus. Donc on était à 4. Il y avait deux petits, François Hamon, 1m66, Henri Duès, 1m68.
Et deux grands, Jacques Simon, mon équipier de Morlaix, 1m80, et Roland Lacombe, 1m80 aussi. Donc, le truc n'était pas très homogène aussi. Et croyez-moi, j'ai souffert quand même, car là, c'était sur une autoroute, on faisait un aller-retour, il faisait chaud, et puis j'ai eu du mal. S'il y avait eu un dispositif comme celui-ci en 1960, ça vous aurait permis d'aller plus loin, d'aller plus haut encore ? Il n'y avait pas d'aide à l'époque, hein. il y avait quasiment rien, c'était l'artisanat, comme vous disiez. Ah oui, c'était artisanal, oui. Mais non, on avait, et point de vue entraînement, tout ça, on était livrés un peu nous-mêmes, on apprenait sur le tas, quoi, on faisait comme on pouvait. Quoi. Et je crois que c'est après 1960, puisque la France n'a pas, je sais pas, une ou deux médailles qu'elle a gagnées. Et je crois que c'est le général de Gaulle qui a décidé de mettre des structures en place pour les entraîneurs et tout ça. Eh ben, on voit en tout cas que ça a bien évolué depuis. Merci en tout cas de votre présence. Aujourd'hui, vous montez toujours à vélo ? Ah oui, tous les jours, pour ne pas passer son temps. Voilà, comme quoi on ne s'arrête jamais. Merci à vous trois. Autre portrait de sportif à découvrir en image, il s'agit de Virginie Coueff. Depuis ses débuts sur le vélodrome de Plouzané, la Brestoise du Big 2000, Virginie Coueff a parcouru bien du chemin. Intégrée au Pôle France de l'INSEP dès l'âge de 17 ans et aujourd'hui membre de l'équipe de France, elle parcourt désormais la planète et rayonne sur la scène internationale. Il faut dire qu'à raison de 2 entraînements par jour, 6 jours par semaine, la Brestoise travaille dur. Résultat, depuis 2013, elle a cumulé 6 titres de championne de France ainsi que de nombreux podiums en Coupe du Monde. Prochain objectif, les championnats du monde à Londres en mars où elle espère bien marquer les esprits et décrocher sa qualification en équipe et en individuel pour les Jeux de Rio. Car c'est bien en individuel et sur l'épreuve du Kérin que la Bretonne peut nourrir les meilleurs espoirs de médailles. En témoigne son récent titre de vice-championne d'Europe et sa belle 4e place décrochée lors de l'étape de Coupe du Monde en Colombie en novembre dernier. En 2012 à Londres, pour ses premiers Jeux, Virginie avait terminé 6e de la vitesse par équipe et 15e en individuel. Alors à 27 ans, celle qui se dit aujourd'hui tout près d'atteindre son meilleur niveau a gagné en maturité, une expérience qui pourrait bien lui valoir de briller sous le soleil de Rio. À nouveau en présence de Jean-Marc Tanguy et d'Yvon Cléguer pour le mot de la fin. Jean-Marc, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ces sportifs pour les JO de Rio 2016 ? Évidemment, le meilleur possible, de porter haut et fort les couleurs du Finistère, mais vraiment, après les avoir entendus, on se rend compte qu'ils ont vraiment la tête sur les épaules. Parce que le sport, c'est aussi l'école de la vie, donc la seule chose qu'on peut vous souhaiter, c'est tous à Rio. Eh oui, tous à Rio. Yvon, même question, qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter pour 2016, pour les JO ? Des médailles, forcément. Et puis leur dire qu'on a confiance en eux et qu'on les suivra et soutiendra. On va faire tout ce qu'on peut pour vous accompagner jusqu'au bout. Et c'est important de les suivre. Il y a plein de moyens de les suivre à l'heure actuelle. Et n'hésitez pas à suivre nos sportifs finistériens. Merci à vous. Merci de votre présence, amis sportifs, amis spectateurs. Rendez-vous à Rio pour soutenir nos athlètes français. Et nous, on se dit à bientôt. Merci à vous. Au revoir.